Bonsoir à tout le monde, connectez-vous. Je vais vous montrer comment faire vos bains. Non, ouvre la porte. Je vais vous montrer comment faire les bains. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire pour me débloquer, comment faire pour attirer mon étoile. Cherche-moi quelque chose pour ramasser de l'eau là-bas. Chérie, si elle ne parle pas, tu ne vas pas comprendre. Et donc, je fais ce direct pour vous montrer, parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, je sais qu'il y a plein de petites choses que vous ne connaissez pas. Donc, je vais vous montrer les essentiels, ce dont vous avez besoin chez vous. Partagez cette vidéo, parce que je vais montrer les cas pratiques. Donc, j'ai mes couleurs de sel ici. Orange. Rouge. Orange. Rose, jaune, il y a du sel blanc, mais bon, le sel blanc, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc, si vous commencez à regarder mes vidéos, ne vous pressez pas. Montre-moi la solution, montre-moi la solution. Vous libérez, ça demande du travail. Et si vous n'avez pas le cœur, vous allez abandonner très vite. Il y aura des situations où vous allez vouloir laisser tomber instantanément. Donc, première étape. Je vais vous montrer comment purifier votre atmosphère. Donc ça, c'est du charbon ardent. Oui, c'est la braise. On met le charbon. Moi, je l'allume sur la bougie. On met comme ça. Là, ça a pris où est la fumée qui quitte dessus. Donc, j'en ai trois. Ça, c'est pour les gens qui sont en Europe. Parce qu'aller allumer le charbon, c'est quand même un peu fatigant. Donc, deux ou trois, c'est suffisant. Où est la fumée qui sort déjà? Je vous ai montré le... Bonjour TikTok, c'est mon premier live, premier. Donc, je vais souvent faire des trucs simultanés. Quand le charbon brûle comme ça, il n'a rien dessus. Vous devez purifier l'atmosphère de votre maison. Je vous en prie. Donc, je vais vous montrer ce que je mets lorsque je purifie l'atmosphère. Avant qu'on arrive au bain. Les bains se font dans les assiettes blanches de préférence. Tout sauf le noir en tout cas. Donc, j'ai de la sauge. Si vous n'avez pas la sauge est rare. Même au Cameroun, c'est rare. Donc là, ça fait partie des kits de purification. Je crois qu'en Europe, vous pouvez en trouver. La sauge purifie l'atmosphère, ça vous purifie vous-même. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Et quand tu brûles, chaque fois que tu brûles quelque chose, tu vas mettre des intentions. Ouais, comment ça monte, non? Je purifie cette atmosphère, j'enlève toute énergie négative. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux lire le psaume 35, le psaume 91. Là, c'est peut-être 7 feuilles de sauge. Hein. Tu laisses juste comme ça. Le truc avec le charbon ardent, c'est qu'une fois que tu l'as allumé, il ne va que brûler, c'est fini. Donc, parfois, un charbon, ça va. Mais comme je vais durer un peu, voilà. Il y a la sauge que tu peux brûler. Il y a certains kits dans lesquels j'ai mis la sauge. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez acheter ces choses aussi au Cameroun. Donc, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos où je vous ai montré comment écrire sur la feuille de laurier. Vous prenez une feuille qui est entière, pas déchirée. Là, par exemple, voilà une feuille déchirée. Voilà une feuille entière. Donc, vous mettez votre nom dessus, vous mettez... ce que vous désirez. Ça peut être un montant d'argent, ça peut être un blocage que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Donc, tout doit être brûlé avec intention. Donc là, j'ai rajouté à la sauge le laurier. Spirituellement, le laurier enlève les mauvais esprits à la maison aussi. Donc, tu mets ton intention. Je purifie cette atmosphère, je libère cette maison de tout mauvais esprit.
Au nom de Jésus. Donc, tu peux faire ça, tu mets dans la pièce centrale, tu laisses là-bas pendant 10-15 minutes. Après, tu mets dans la chambre 10-15 minutes. Jusqu'à ce que ça finisse, en fait. Voilà. Donc, on va purifier. Tu peux mettre du coup le girofle pour brûler. Bon, il y a aussi le deuxième type d'encens que j'allais vous montrer. Il y a les bâtonnets qui sont déjà préfaits. Ces encens ont des buts différents. Donc, je vais allumer sur la bougie directement. Donc, ils ont à peu près la même fonction. Je préfère la sauge avec le laurier parce que c'est naturel. Je sais ce que j'ai mis dedans. Par contre, ça, ce n'est que ce qu'on te dit sur le paquet que tu peux... sur le packaging, on va dire. Mais la sauge purifie beaucoup l'atmosphère. Donc là, on brûle ça. Je purifie mon atmosphère. Je me libère de mauvaises énergies. Donc, le bas de l'encens, vous pouvez le piquer dans le sel. Il tient. Vous voyez? Et puis, vous pouvez déposer ça à la maison. Ça va brûler en... Ça peut faire 30 minutes. Et vous avez purifié votre atmosphère. Donc, supposons que vous avez acheté un kit de déblocage ou bien vous venez à peine de commencer à regarder mes vidéos. Cherchez le laurier. Toute femme a le laurier chez elle. Vous commencez déjà à brûler ça. Vous faites jouer aussi peut-être la Bible ou vous mettez les psaumes, vous faites jouer comme ça. Ça va vous permettre de purifier l'atmosphère. Écoutez, vos blocages... Ça vient des esprits qui entrent dans votre maison sans votre autorisation, des mauvaises conversations que vous avez eues dans votre maison. Il y a des gens qui restent lancés, ils envoient les flèches chez vous. Il y a les fondations de la maison là. Parfois, il y a des trucs qu'on avait enterrés dans la maison avant que tu n'aménages là-bas. Donc, si on veut rentrer vraiment dans les sources de problèmes dans une maison, c'est vraiment vaste. Je ne vais pas développer là-dessus aujourd'hui. Donc, on a cette option-ci et on a les encens en bâtonnet. Voilà. Donc, je suis en train de vouloir faire mon lavage, je mets ça. Je rentre le soir ou je me lève le matin avant de faire mon travail spirituel, avant de faire mon bain au sel, avant de faire mon don. Donc, je vous ai montré les sels. Je vais vous montrer comment faire son bain avec du sel tout à l'heure. Je mets d'abord ça. Je fais brûler ceci. La sauge, c'est la sauge. Je ne sais pas quoi vous dire que la sauge est. Jusqu'à ce que je cherche la sauge, moi, en tant que Camerounaise, je ne connaissais pas ce que la sauge est. Je sais seulement que c'est la sauge. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. En anglais, on appelle ça sage. Même sur Amazon, si vous êtes en Europe, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Donc, si vous commandez certains kits chez moi, avant qu'on ne vous envoie en Europe ou bien aux États-Unis, demandez la sauge. On peut mettre ça dedans. Voilà. Donc, vous voyez, quand on vient le mettre, ça brûle encore. N'oubliez pas que quand on brûle quelque chose, c'est un portail spirituel pour demander. Ça ouvre. C'est un portail spirituel qui s'ouvre pour demander et recevoir. Voilà. C'est pour ça qu'il faisait des offrandes. Donc, vous pouvez déposer ça là-bas, s'il te plaît. Vous déposez ça quelque part dans la pièce, pendant que ça brûle. Bon, on va passer au bain. Donc, je vais enlever la caméra sur moi. Oui, la cannelle aussi, Julie. Je crois qu'il y a la cannelle là-bas, non. Tu n'as pas apporté. C'est là-bas, non. Donc, je vais exclusivement mettre la caméra sur le bain. Voilà. Donc, de préférence, si vous n'avez pas le sel de couleur, c'est-à-dire, ou bien, si tu n'as aucun de ces sels, prends ton sel blanc de 50 francs. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Prends ton sel de 50 francs que tu as acheté au quartier, ce que tu cuisines avec là, tu commences avec ça. Ne vous donnez pas une excuse pour ne pas commencer avec le sel. Si vous êtes à Douala, partout dans le monde, on poste. Vous-même, dans votre ville, si vous cherchez, vous allez trouver le sel. Donc, vraiment, il n'y a pas d'excuse pour que tu ne fasses pas ton travail spirituel. OK. Je suis en train de vouloir vous montrer comment se débloquer soi-même à la maison. Chaque jour, on fait comment avec le sel. Wow, wow, wow. Pardon, apporte-moi une Bible. Les significations des sels. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus expertes que moi. Vous maîtrisez. Donc, je n'enseigne que ce que je connais. Le peu que je connais. Le sel jaune, généralement, c'est pour restaurer la puissance. Vous savez que la couleur gold, c'est la royauté. La couleur or, c'est la royauté, la prestance, la puissance. Donc, le sel jaune, quand vous allez l'utiliser,
Généralement, vous pouvez demander. Ça, c'est du sel sur lequel on a prié. Donc, il est chargé. Vous, même si vous n'avez pas ça pour l'instant, vous priez sur votre sel à la maison. Voilà. Donc, partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez vous donner des likes, tout comme ça. Ce sel, c'est pour la puissance. C'est pour restaurer l'étoile. Ça, ce sont les choses spécifiques que tu vas dire quand tu vas mettre ça dans l'eau pour parler. Donc, je vais vous faire plusieurs bains et je vais montrer quelque chose. Le sel rose. Généralement, c'est pour restaurer la chance. C'est pour l'attirance. OK? La chance, l'attirance. Les sels, vous pouvez les avoir dans votre... on est dans la ville de Douala, Yaoundé. On poste dans les autres villes du Cameroun. Et en Europe aussi, on poste. J'ai les représentants en Europe aussi. Bon. Le sel rose, c'est pour l'attirance. La chance. Good luck. Et restaurer ton attraction. Écoutez, le monde spirituel est fait de couleurs. C'est pour ça qu'il y a les jours quand tu t'habilles d'une certaine façon. Moi, généralement, c'est la couleur rouge. C'est une sorte de... Le rouge à lèvres rouge, alors c'est grave. Donc, vous connaissez vos couleurs. Donc, le spirituel a les couleurs. Donc, le sel orange. Celui-ci est généralement pour le déblocage. Et puis, ça dépend aussi de la prière que celui qui a chargé le sel a mis sur le sel. Donc, demandez toujours... Quand tu commandes ton sel, tu demandes à la personne... Il faut toujours voir ce que celui qui a fabriqué et qui t'a vendu a écrit sur ça. Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Merci d'encourager ma vidéo et de partager ma vidéo. Donc, le sel orange, c'est généralement pour le déblocage, ouverture des portes. Ça, ça vient généralement dans les... Quand tu fais les 7 jours de déblocage, le sel orange. Donc, le sel rouge, le sel de purification, le sel sang de Jésus. OK? Si je vais mettre ça dans l'eau tout à l'heure, vous allez voir comment l'eau va changer. Généralement, ce sel va avec le psaume 51. Purifie-moi, Seigneur, et je serai pur. Lave-moi avec l'hysope, et je serai blanc comme la neige. Ça, c'est... Toi-même, tu connais que dans ta famille, là, il y a les ouais qui te suivent. Il y a les choses qui te suivent. Commence par la purification. Supposons que tu n'as aucun de ces sels. Prends ton sel blanc. Sans chercher les manières. Le sel que tu as à la cuisine, là, comme tu... Toutes les maisons des gens qui m'écoutent, vous avez le sel à la cuisine. Vous prenez le sel si vous le lisez le psaume dessus. Psaume 35, c'est le psaume de combat. Psaume 91. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, vous lisez dessus et puis vous faites votre travail. Voilà. Je vais vous montrer donc comment utiliser le sel. De toute façon, donc à la pratique. Donc, je vais monter la purification d'abord. Supposons que tu as acheté le sel rouge aussi. Dans vos villes, vous avez ça aussi. On peut vous poster si vous voulez forcément acheter chez moi. Je vous conseille aussi, pour faire votre travail, d'avoir... Où est la lumière sinon? Ayez toujours la bougie. La bougie chez vous. Quand vous faites votre travail. Là, je vous parle, il y a la bougie, si ça fait la lumière entre moi et vous. Parce qu'il y a les mauvaises personnes qui ne veulent pas que vos choses avancent. Donc, ils sont dans, il y a vos amis ticones là. Vos tantes ticones, ils sont ici. Et puis, ils ne veulent pas que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ou que vous puissiez mettre en pratique ce que je suis en train d'expliquer. Vous mettez toujours la lumière quand vous voulez faire votre travail. Vous devez repérer une situation de votre vie que vraiment vous êtes fatigué de ça. Que wow, wow, j'ai telle chose. Wow, on me rejette. Wow, je ne sais pas. Chacun connaît sa chose. Hein. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous expliquer votre vie. J'explique d'abord votre vie. Tu détectes ton problème, maintenant, ça te permet d'agir. Je n'ai pas fait le sel bleu aujourd'hui, je ne veux pas vous embrouiller, donc je n'ai plus que les 4 sels-ci. Donc, le sel, tu prends le sel rouge, je prends juste une pincée. Ce que je vais faire, je crois que je vais mettre d'abord de l'eau, comme ça vous allez mieux voir. La couleur de la bassine importe. N'allez pas faire dans la bassine noire. Donc, tu mets ton eau. Voilà. Tu as ta bougie, tu as tes encens que tu as mis. Tu es tout nu dans ta douche. Ton mari, Ticon, n'est pas là. Ton mari n'est pas là, supposons. Tu prends une pincée. Regardez. Vous voyez, non? Il n'y a même pas ce coyote. Je ne veux pas te remuer avec quelque chose. Vous voyez. Voilà.
tu prends ton somme 51. Et quand tu fais comme ça, tu peux prendre encore le sel blanc. Tu traces un cercle autour de toi. Tu déclares qu'aucun esprit mauvais ne va venir interférer sur ton travail que tu es en train de faire. Tu prends maintenant ta Bible. Somme 51. Éternel des armées, je viens. Tu parles toi-même, mais vous devez connaître vos problèmes. Seigneur, j'ai demandé le visa 4 fois, on m'a refusé. Seigneur, viens me purifier. Maintenant, tu vas lire. Seigneur, avec ce travail que je fais, quand tu as tes règles, ne fais pas ton bain. Ne fais pas ce bain quand tu saignes. Ne le fais pas. Tu attends, tu finis tes règles avant de continuer parce que c'est un moment où tu es impur. Quoi d'autre? Tu as aussi des astuces. Tu peux faire ça. Tu prends une bouteille Tanguy. Si tu es dans un endroit où tu n'as pas le seau, tu prends une bouteille Tanguy. Tu mets juste une pincée de sel dedans. Tu secoues. Tu finis de te laver. Tu prends maintenant la bouteille Tanguy. Tu restes debout. Tu verses sur toi. Un petit coup, c'est bon. La prière compte le plus. Et ce lavage. Voilà. Éternel des armées. Lave-moi. Le psaume 51 au verset 3. Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Seigneur, je me nettoie des péchés de papa, de maman. Je remonte jusqu'à 5 générations. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, Seigneur. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Voilà. Tu finis de lire. Tu es tout nu devant ça, non? Tu prends d'abord le savon normal, tu te laves. Tu finis de laver, tu enlèves la saleté de la journée sur toi. Tu prends maintenant l'eau aussi. En te lavant maintenant, tu parles. Seigneur, il y a telle chose qui est bloquée dans ma vie. Par ce sel, je viens me débloquer. Je viens me purifier. Seigneur, purifie-moi. Tu prends, tu mets sur toi. Purifie-moi, Seigneur. Ça, c'est salé. Vous devez vous laver jusqu'à un moment. Un homme vient te faire bisous sur le cou comme ça. Il voit que tu es que salé. Oui. Tu laves, tu te laves. Tu peux aussi faire ça, tu mets seulement tes pieds dedans. Tu prends les pieds, tu mets dedans. Tu vois vraiment tes pieds vont commencer à chauffer. Tu restes avec ça même 20 minutes dans l'eau. Tu vois vraiment le sel là va aller enlever les trucs, les blocages. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Donc, on va faire l'autre bain. Je vous avais montré. Je vais faire une deuxième astuce. Aujourd'hui, je partagerai trois astuces avec vous. Les bassines blanches sont très bonnes pour le travail. Maintenant, là, c'est un bain de puissance. Commencez toujours, je vous le conseille toujours par la purification. La purification, c'est comme si tu... Et c'est le kit fondation d'ailleurs. La purification, c'est comme si tu te nettoyais, tu mettais tout à zéro. Tu mettais tout à zéro avant de commencer ton travail spirituel. Seigneur, je viens restaurer ma puissance. Je me suis déjà purifié. Par ce lavage, Seigneur, restaure ma puissance. Restaure ma puissance, Seigneur. Et pour apporter encore plus de... Apporte-moi un peu un don, s'il te plaît. Je vais le montrer comme don. Mais comme ça, tu peux faire ton lavage, tu peux faire ton traitement personnel. Hein. Tu dis que lavage de purification d'abord avec le sel rouge là. 3 jours, avec 3 jours de jeûne. Après, je restaure ma puissance. 3 jours, avec 3 jours de jeûne. Après, je me débloque. 3 jours, avec 3 jours de jeûne. Je restaure mon attraction. Les filles que les gars vous jettent n'importe comment là. Et avant de commencer ton lavage aussi, tu peux ajouter le ndong. Vous connaissez le ndong, non? Le ndong, c'est le piment de Guinée. Pour ouvrir ça, tu mets derrière toi. Derrière comme ça là. Tu parles, Seigneur. Comme j'ouvre le ndong ici là. Il y a des cas que tout ce que je vais parler en mangeant le ndong ici là, ça va réussir. Je viens me débloquer. Je viens redonner la puissance à ma bouche, à ma langue. Tu ouvres ton ndong maintenant. Bon, le ndong, ça vient comme ça. Ça pique. Donc tu prends 7 grains. Je vous ai montré une vidéo où je vais montrer comment tu manges le ndong si.
Il faut noter que quand tu as un nouveau ndongzi, c'est collé, 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 shingom. Donc, je retire 7. Comme je n'avais pas fait la déclaration du matin, je vais mettre les 7 ici dans ma bouche, mâcher, pour restaurer la puissance. Voilà 7. Tu mâches. Ça pique beaucoup, hein. Voilà. Je restaure la puissance de ma bouche. Tu mâches. Comme il mâche ça comme ça. Maman, ça pique au Oyo. Jesus is Lord. Comme ça pique comme ça, ça enlève les sales trucs que tu as mis dans ta bouche là. Il y a les choses qui sont passées dans ta bouche. Tu as insulté les gens. Tu as grondé les gens. Tu as mal parlé des gens. Tu as fait le commérage. Donc ta langue là est devenue impure. Même la cannelle, vous pouvez manger. Voilà, faut-moi l'eau, je bois. Jesus, ça pique. Tu mâches. Maintenant, tu lis tes désirs. Comme ça pique dans ta bouche comme ça là. Papa mio. C'est en train de restaurer ta bouche là. Ça restaure l'usage de ta parole. Excusez-moi. Certains, les sorciers connaissent que le ndong, c'est là, c'est un truc très fort. Le ndong, normalement, il faut le faire sans parler. Mais si tu as envie de commencer ton travail spirituel, même si tu commences à 14h, tu prends le ndong. Quand tu marches comme ça là, dans cette journée-là, ça restaure l'usage de ta parole, la puissance de tes mots. Donc moi, généralement, ce que je fais souvent, j'écrase un peu le ndong là. Je mets dans mon eau. Vous devez suivre ce que l'esprit vous dit. Voilà, tu tournes, ça fait la bonne sauce. Là, c'est le bain de puissance. Maintenant, il y a le bain que tu peux faire. Tu mélanges plusieurs couleurs. Ça, c'est pour restaurer ton spectre, tes chakras. Allez voir les photos des chakras sur Internet. Voilà. Donc, je vais garder celui-ci comme ça. Tu peux aussi prendre le jujube. Tu prends 3 jujubes ou 7 jujubes. Tu écrases sur la pierre. Tu verses. J'ai mis le ndong dedans. Tu mets maintenant plusieurs couleurs de sel. On a mis le jaune, on a mis le marron. Non, on a mis le jaune, le rouge, la couleur orange. Il met aussi le rose. Maintenant, quand tu mets ça, tu dois activer chaque puissance. Tu dois parler. Que j'active mon attirance. Vous allez voir que c'est le rouge qui va tout dominer. Et quand tu fais ton travail spirituel, tu tournes dans un sens. Tu tournes en parlant. Je sais qu'il y a certains de vos enfants que... tu vas m'apporter un gel aussi. On va mettre le sel dans le gel. Bonne-moi une bouteille de gel. J'active mon attraction. Je me débloque par ce bain. Je viens me purifier au nom de Jésus. Je restaure mon étoile, je restaure mon aura. Un seul sens. Tu prends le psaume. Tu lis le psaume 35, qui est le psaume de combat par excellence. Tu lis le psaume... merci. Tu m'as apporté un petit verre. Un petit verre. Avec une petite cuillère. Je vais tourner dedans. Donc tu tournes. Tu lis le psaume 35. Quand tu lis tes paroles là, quand tu es mangé le tout, ça pique sur ta bouche. Si tu n'as pas le nom, ne t'en fais pas. Hein. Tu parles dans l'eau. Tu es en train de charger ton eau. Vous comprenez, non? Tu charges ton eau pour ton lavage. Voilà. Maintenant. Il y en a qui ont déjà mes gels. Il y a les gels qu'on fait. Ça, c'est le gel sang de Jésus. Je vais vous montrer le lavage qu'on fait avec le gel maintenant. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de gel. Hein. Quel que soit celui que tu fais, tu dois d'abord te laver. Merci. Donc, tu prends le gel de purification. Voilà. Un sens. Éternel des amis. Par ce lavage, vous voyez comment ça devient rouge. Je viens me purifier. J'enlève toute saleté spirituelle sur moi. Généralement, les gels, vous pouvez ajouter avec le sel aussi. Je viens restaurer mon aura. Je me purifie. Psaume 51. Psaume de purification. Donc maintenant,
faites avec ce que vous avez aussi, vraiment. Point de début, parce que souvent, on peut te dire, wow, je n'ai pas ça, je fais comment? Fais avec ce que tu as d'abord. Donc, le dernier truc que je vais vous montrer, je vais vous montrer comment saboter les choses de vos enfants là-bas à la maison. On prend la pierre écrasée, tu es avec, pardon. Vous voyez vos enfants, petit con là, que tu montres que comment faire son travail spirituel, il ne veut pas faire. Hmm? Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tu prends le gel Dove que tu as acheté à l'enfant là. Mm-hmm. Bonsoir ceux qui viennent d'arriver. Likez ma vidéo, partagez. Je ne sais pas comment partager sur TikTok. Partagez seulement. Je viens d'ouvrir mon TikTok et je vais vous montrer les astuces qui vont vous aider. Donc, tu prends le gel de l'enfant là. Comme ton fils croit qu'il connaît là. Si tu ne travailles pas sur ton enfant, personne ne va travailler sur ton enfant. Voilà. Cherche-moi un jujube, pardon. Merci. Je vais vous montrer sur ma table. Donc, vous pouvez ajouter à ça la cendre, ok? Ça, c'est pour ceux qui veulent faire le travail de fondation. Je vous ai montré beaucoup d'astuces en même temps, une fois. J'ai même mis le nom là. Non, on lance, lance ici. On ne prend pas le jujube en lançant, en donnant dans la main. On a lancé au sol. Ou bien, tu lances sur un truc, la personne ramasse en passant. Le don, tu ouvres derrière. Le jujube, tu ouvres derrière. Et en ouvrant, tu as tes bonnes intentions. Seigneur, je déclare que par ce jujube que je vais utiliser, je me restaure. Voilà. Donc, moi, je vais prendre 3. Moi, j'aime moi 3. J'aime 3. Ce jujube, j'aime beaucoup 3. Voilà, j'ai pris 3. Bon, si le gel de l'enfant est beaucoup, vous pouvez prendre plus. Tu sais là où il met le don. Donc, ici, je vais prendre 7 encore. Prenez tous les chiffres impairs. Tu peux me trouver une feuille, s'il te plaît. Je vais vous faire ça sur une feuille, ce sera un peu mieux. On va prendre 7. Ici. Le don est piquant. Le jujube est sucré. Donc, il met d'abord le don. Vous avez vos petits mortiers là, non? Je vais vous montrer comment il crache. Voilà. Il déclare que quand il va mettre ça dans le lavage de l'enfant là, il le débloque. Je chasse les mauvaises compagnies sur l'enfant là, au nom de Jésus. Il vient le purifier. Je le restaure par la puissance du Saint-Esprit. Tu mets le jujube sur ça. Tu mets la protection sur cet enfant. Il vient contre les accidents. Il vient contre la mort précoce. Vous voyez que c'est l'été. J'ai pas mis sur la pierre, j'ai collé sur le papier. Donc, c'est pas très, 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 très fin. Hmm? Voilà. Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Merci à ceux qui supportent ma page. Bon. Vous prenez son gel douche Dove. Je prends cette couleur si, mais si c'est Dove, vous savez. Vous prenez le Dove là, non? Vous versez ça dans une assiette. Ceci va pas bien donner. Mais bon, on fait quand même. Porte un peu l'encens qui est quelque part là. Il y a la peau de la cendre dedans. Blanc, déjà. Va l'ensemble. Vous mettez votre mélange. Plus la quantité de trucs est beaucoup, plus vous devez augmenter le jujube et le don. Mais que ce soit toujours des chiffres impairs. Ok? Maintenant, vous prenez du sel. Comme c'est rouge, comme c'est blanc, ne mettez pas le sel de couleur. Parce que l'enfant là peut détecter. Donc, si tu veux faire la sage matière, tu prends une pincée de sel blanc.
Tu mets dans Dove. Maintenant, tu prends la cendre. Tu brûles juste un papier hein, à la maison là-bas. Moi, je vais prendre mon charbon qui a brûlé ici là. Ça m'a déjà donné de la cendre. Voilà ça. Et à la cendre dessus. Ou tu prends un cahier là-bas à la maison, tu brûles. Ne vous donnez pas les excuses pour ne pas faire votre travail, pardon. Voilà. Donc, j'écrase encore un peu. Après, je tamise. Si nécessaire, vous prenez un gel de donne d'une autre couleur. Parce qu'il y a les gels douche orange. Voilà. Comme ça. On tourne dans un seul sens. Voilà. Tu as mis le sel, tu as mis tout ça. En tout cas, vous avez vu. Tu lis maintenant ton somme 35. Vous allez voir, vous voyez que c'est trop lourd. Donc, du coup, ça, je pourrais mettre même peut-être sur un demi-litre de gel. Ouais, c'est très, très, très lourd. Tu peux faire ça, après tu écrases encore le moulinex. Attendez, je cherche ma Bible. On va lire le somme 35. 91 d'abord. Parce que je demeure à l'abri du Tout-Puissant. Je repose à... Parce que je demeure à, sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu protèges ma famille, Seigneur. Tu es notre forteresse. Par ce lavage, je déclare que mes enfants sont protégés au nom de Jésus. Ouais, c'est très chargé. Donc ça, je diluerai sûrement avec au moins des millilitres pour que ce soit, ça passe indétectable. Maintenant, comme j'ai mis la cendre, ça c'est pour faire le travail de fondation. Le travail de fondation, c'est pour couper les liens ancestraux, les gens qui vous dérangent. Papa, maman, tu prends maintenant ça comme ça. Tu fais avec 7 jours de jeûne. Après avoir lu ton somme 91 et le somme 35. Et tu lis ce que tu désires. Ok? Maintenant, tu prends... Je vais vous montrer un peu comment il fait le lavage. Prends un peu, tu mets sur ton éponge. Tu mets sur ton corps. Donc vous êtes, je ne vous ai pas trop écrasé. Je ne vais pas écraser vraiment, vraiment là. Je fais un peu la paresse. C'est pour ça que vous voyez les petits gars dedans. Ok. Par ce lavage, je me purifie. Il y a la cendre dedans. Dans la Bible, la cendre, c'était pour la purification. Quand quelqu'un jeûnait, il voulait s'humilier devant Dieu. Il voulait que Dieu change sa vie. Il prenait la cendre, il se couvrait avec la cendre. En anglais, on dit « with sackcloth and ashes ». Ashes, c'est cendre. Il se couvre avec la cendre, ça, il partait, il se mettait quelque part. Il fait le pauvre, il pleure. Donc, tu mets ça comme ça sur tout ton corps. Tout ton corps. Seigneur, comme je me lave comme ça, là, je me purifie. Tout ce qu'il y a dans mes fondations, j'enlève. Si ça vient de papa ou maman, tout ton corps. Hein. Tout ton corps, là, ton grand corps. Là. Maintenant, après, quand tu finis, de préférence, tu prends ton eau salée encore. Je me débarrasse de tout mauvais sort familial au nom de Jésus. Franchement, spirituellement, ça fait du bien. Donc, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas montré les parfums spirituels. Ok? Je n'ai montré que les gels et les sels. Ça, ce sera pour une autre fois. Voilà. Donc, si vous allez sur ma page YouTube de Give Digger Academy, vous allez voir. J'ai mis un lien où je montre aussi que tu dois mettre. L'huile rouge sur tes pieds. Tu essuies d'abord l'huile rouge sur tes pieds. Ça, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Parce que c'est fait un peu tard. J'ai une dame qui vient des États-Unis là, qui va faire son travail. Elle va devoir faire 2 jours ici pour son travail. Donc, comme je suis restée tard au bureau, je me suis dit, autant mieux que je vous montre ça. Donc, après, tu te laves toi-même, tu enlèves tout. Et quand tu finis de te laver, c'était pour ton enfant que tu faisais, tu es conscient que tu vas diluer parce que l'enfant, s'il voit ça, il va savoir que tu as mis quelque chose dedans. Donc, pour l'enfant, tu mets seulement peut-être un peu de sel, tu lis le somme dessus, tu tournes. Je ne peux pas vous mentir que je peux sentir comme la charge spirituelle sur mes mains. Donc, et quand
quand tu fais ton travail spirituel, tu te laves, tu ne te sèches pas. Ne te sèche pas. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tu laisses ton corps aspirer tout ça. Voilà. L'eau. De préférence, faites votre lavage à un endroit où vous pouvez verser l'eau dehors après. Ou bien vous faites ça dehors dans la cour, si vous avez un gazon. Au pire des cas, si vous avez un endroit, si vous êtes dans les immeubles des États-Unis ou à New York, tous ces trucs-là, faites dans ton immeuble, ok? Mais de préférence, on aurait aimé que l'eau de lavage, que ça ne reste pas dans ta fosse septique. Ok? Bon, allons liker ma vidéo. Je veux sentir la main, c'est différente de la main, si. Voilà. Quand on vous attache, on utilise beaucoup vos bras. C'est pour ça que quand vous êtes frustré, souvent, c'est vous sentez beaucoup de frustration dans vos bras. La cendre, vous la mettez. Moi, je suis à Douala, je suis à Makepe. Tu vois les questions, là. Page à Sainte. Donc, la cendre, vous la mettez dans le gel. Vous ne mettez pas dans l'eau, vous mettez ici. Parce que la cendre doit aller sur ton corps. Ne brûlez pas les étapes. Je sais que vous aimez crier, vous montez, que vous maîtrisez. Maintenant, il y a plusieurs astuces qu'on verra avec le temps. Ok? Bon. Je sais que vous êtes là depuis, vous ne savez pas qui parlait, c'est moi. Ok. Je vous ai montré. J'aime trop. Ma main est plus contente que l'autre main. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop bien. Hein? C'est... Vous savez, il y a les frustrations que vous avez. Quand tu penses peut-être à... Il y a un gars qui t'a bloqué depuis. Oui, tu peux faire avec l'eau chaude. Il y a un gars qui t'a bloqué depuis. Il t'a profité, il t'avait promis le mariage. Après, il a disparu. Et quand tu penses à lui, ton cœur fait un jar. Les trucs comme ça, ça enlève les blocages qu'il y avait dans ton corps qui font que tu aies peur. Donc, tu as peur d'approcher le gars, tu as peur d'écrire, ou tu as peur de... Et ça fait que ça bloque ton esprit, tu ne reçois pas les idées qui vont te permettre de résoudre ta situation. Donc, débloquez-vous vous-même. Et je ne vais pas vous mentir, le travail spirituel marche. Vous comprenez, non? Ça marche. Si vous voulez vous moquer, vous voulez vous dire que je m'en fous, c'est vous qui êtes bloqué. C'est vous qui êtes bloqué. Vous comprenez, non? J'ai mis une vidéo sur TikTok hier. C'est parce qu'ils ont tellement demandé, on fait comment. Comme TikTok ne me connaît pas encore bien. La page YouTube, c'est le même nom, The Gift Digger Academy. Et c'est que TikTok, vous aimez toujours, vous n'aimez pas travailler. Vous aimez qu'on vous fasse plaisir avec les choses. Non, moi, je vous force à travailler. Vous devez travailler. C'est le travail qui paye. C'est le travail. Tu as ton travail spirituel, tu dois faire ça. Parce que quand tu commences à faire, personne ne peut te bloquer. Comment ça fait tes lavages toi-même? Lave-toi avec le sel de 5 cannes. 5 cannes, blanc. Le sel blanc là, le 5 cannes. Fais ça, tu vas lire, tu vas confirmer. Pour la composition du bol, vous allez seulement partir regarder le direct après. J'ai tout mis dedans. Ok? Tout est dans ce direct, vous allez regarder après. Je vous en prie. Je fais ça pour vous aider aussi. Je n'ai pas mis mes contacts sur TikTok, mais je pense que vous avez mes pages. Quand tu es concentré dans la prière et qu'il y a plusieurs tentations. Ma chérie, si on te dit que le serpent est en train de venir, qui va te mordre, tu vas être tenté de partir vers le serpent. Hein? Tu n'as pas encore bien souffert. Je t'assure, ma chérie, ta souffrance te plaît encore. Et faites le peu que vous pouvez. Faites le peu que vous pouvez. Ne te dis pas, oh, comme je n'ai pas fait tout ce qu'elle a montré, non. Si c'est seulement ton sel blanc, s'y fait d'abord. Tu vas voir comment ça va te... J'ai des témoignages des gens qui me disent, oh, je me suis lavé avec le sel. Une dame m'a dit, aujourd'hui, elle m'a fait son témoignage. Elle me dit, son fils est parti de la maison depuis 2 mois. Elle vit à Yaoundé, mère célibataire. Elle cherche l'enfant. Le ndon et le sel. Elle n'a rien acheté chez moi. Elle allait au marché là pour le ndon. Ce qu'elle vient vous montrer cela. Le matin, là, elle a parlé que mon fils revient, qu'il est suivi n'importe où. J'enlève les mauvaises compagnies. Elle sort en montant pour aller au marché, elle voit son fils en route. Elle sursaute, son fils sursaute aussi. Elle dit que tu es le gronde, que tu es où depuis? Oh là là. Il paraissait désolé. Vous savez, quand tu grondes l'enfant, il ne veut même pas te sentir. Il était désolé. Après, pas monter sur la moto pour partir, il envoie son ami avec l'argent que paye la moto de ma mère. Vous ne savez pas qu'il y a les gens que. Souvent, tu vois, ton enfant commence à avoir des agissements bizarres. Parce que toi-même, tu as dormi. Toi-même, tu as dormi sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants. J'espère que le message est passé.
Donc, cette vidéo est longue d'au moins 40 minutes. Il y a tous les détails dedans. Je vais montrer les gels, tout ça là. Faites votre travail. Avant d'acheter mes produits, commencez d'abord. Quand quelqu'un me contacte, je dis que lave-toi d'abord avec le sel. Toi-même, prends le sel de ta cuisine là. Lave-toi au moins 3 jours. Si tu ne peux pas faire les 3 jours là, c'est que tu ne peux pas. Parce que moi là, quand je te consulte, je te donne le travail. Je te donne le travail. Oui, toi, me dis que yeah, je croyais que tu devais me débloquer. Je te donne le travail. Mm-hmm. Voilà. Donc, voilà, ça a partagé. Je vous ai montré plein de compositions pour se débloquer, pour enlever les trucs ancestraux, les blocages ancestraux. Surtout ça, ça c'est très puissant. Ça. Voilà, il y a Ida qui dit que le sel marche. Ma fille et moi, nous allons de mieux en mieux. Il y a Baskin qui dit, je te kiffe trop, tu es vérité. Marie, c'est l'hyménée. Je vais faire pour les couches de nuit un autre jour. Vraiment, à chaque jour, ça suffit sa peine. Vraiment. Si elle rentre dans ça, c'est encore un long débat. Et je veux maintenant commencer à vous montrer des choses concrètes. Voilà. Partagez ma vidéo, likez. Envoyez ça à quelqu'un, ça va l'aider. Je sais que vous êtes jaloux, vous ne voulez pas que j'ai les likes. Mais aidez quand même les gens, je vous en prie. Il y a un père qui est venu ici, là, il me dit que sa fille de 25 ans l'a connecté chez moi. Que sa fille l'a connecté chez moi. Il dit que c'est bien. Allô, madame. Tiens, sors, c'est l'heure de coucher. Que sa fille l'a connecté chez moi, il dit que c'est bon. Allô. C'est très bon. Si c'est ta fille qui t'a envoyé ici, là, ça veut dire qu'elle-même sait que tu as besoin de certaines choses. Tu as rêvé que ta soeur est morte. Que ta soeur morte t'a donné l'argent. Ma chérie, tu as beaucoup d'argent, c'est mon gars. Tu as beaucoup d'argent qui doit venir vers toi. Tu as beaucoup d'argent qui doit venir vers toi. Maintenant, il vous montre ces choses-ci pour que débloquez-vous vous-même. Il y a des gens qui font ça la première semaine. Il y a une maman, elle a fait 3 mois et payé la dîme de 15 000 francs. Donc, son salaire mensuel, c'était 15 000. Après 3 mois, elle vient le 4e mois. Elle a reçu 280 000. Donc, elle a quitté les 1 500 francs qu'elle payait de dîme. Elle m'a donné 28 500 de dîme. Vous voyez la différence? Vous voyez? Ce n'est pas la blague. La fessie, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Certains d'entre vous, hein, vous êtes mariés. Vos belles familles vous ont bloqué. Vos oncles vous ont bloqué. Pardon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce qu'elle commence à parler avec les familles. Là, les familles qui comptent que vous avez. Je vous ai montré comment utiliser le sel. Vous allez récemment regarder mon live. J'ai tout montré déjà. Voilà, j'ai à tout montrer, donc vraiment. Et moi, je dis toujours, quand quelqu'un me contacte, il me dit qu'il n'a pas regardé mes vidéos, je le renvoie voir mes vidéos. Je ne peux pas passer mes soirées, je passe, je vous montre les trucs comme ça, là, vous ne regardez pas. Boire de l'eau salée pour la nourriture empoisonnée. Non, Julio, ça ne va pas aider. Tu as compris? Fais l'autre, là, prends aussi du charbon. Prends le charbon, tu écrases. Tu mets dans de l'eau normale. Tu tournes bien même, tu bois aussi ça. Il y a plein de d'antipoison. Oh, merci pour vos j'aime. Merci pour les gens de TikTok. Vous êtes très superbes. Vous ne me connaissez pas assez. Voilà. Vous avez liké ma vidéo. Vous êtes là. Une mère ne peut pas te maudire. Elle peut te passer des choses et elle ne te débloque pas. Maintenant, quand tu te rends compte toi-même, tu fais ton travail pour te débloquer. Voilà. Mon amour, si tu as rêvé qu'on t'a mordu là, que le serpent t'a mordu là, c'est pas très très bon signe. Quand un animal te mord dans le rêve, c'est pas bon. Bon. Vous allez rentrer dormir aussi. Bonne soirée à vous. Ton ex-patron est venu te demander d'oublier et de recommencer. Fais ton lavage au sel, les ancêtres vont te clarifier les choses. Il y a Johanna qui dit que le sel marche hyper bien, ma reine. Tout ce qu'elle vous montre, faites seulement. Merci beaucoup. Rien dans ta vie ne va. Les hommes n'aiment pas l'argent. Ils ne te donnent pas l'argent. Si ton bébé pleure, il y a le jujube. Prends soin, tu mâches. Tu mets dans son truc. Ou bien tu le oignes avec. Et tu mets dans l'eau de l'enfant, tu mets un peu le sel, tu pries. C'est ce que vous, là, vous êtes seulement simpleton. Tu achètes le médaillon peut-être de Saint-Michel. Tu fais bénir ça. Tu attaches ça sur le fil. Tu mets sur le tu attaches ça sur l'enfant. Et tu fais la sauge aussi. Je vous ai montré au début de cette vidéo comment purifier l'atmosphère. Purifiez vos maisons avant de dormir. Et quand tu rêves,
que l'argent est en train de venir vers toi, ou bien que tu as ramassé l'argent, ou qu'on t'a donné l'argent, ou bien que tu as vu une star, les ancêtres sont en train de te montrer que ton étoile est en train de te manipuler. Parfois, il y a des gens qui ont pris ton étoile carrément. Parfois, on voit, tu as les vues sur TikTok, mais ça ne donne pas l'argent. Bon. Je vais vous expliquer encore. Sur Facebook, c'est The Guide Digger Academy. Je viens de commencer TikTok. Donc, si vous me regardez sur TikTok, c'est nouveau. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez. Et puis, je vais... Sur Facebook, je fais des vidéos tous les jours. Donc, TikTok, je vais commencer à faire tous les jours. Voilà. OK. Abonnez-vous pour ceux qui sont aussi sur Facebook, les nouveaux, YouTube. Faites surtout, faites votre travail. Si tu as un problème de masturbation, c'est un esprit. La masturbation n'est pas normale. Je vois ici quelqu'un sur TikTok qui dit qu'il se masturbe constamment. La masturbation, c'est un esprit qui vient pour te... Ça prend ton énergie. C'est très lié généralement au mari de nuit. Commencez à faire vos lavages d'abord. Il y a d'autres astuces où tu prends le sel, le sucre, tu mets dans la mamie, tu fais bouillir. 20 minutes, tu éteins le feu. Tu prends le romarin, tu mets dedans, tu couvres. Tu couvres. Tu laisses ça 30 minutes. Après, quand ça refroidit, tu te laves avec. Voilà encore un autre truc de déblocage. OK? Je vais faire une soirée spéciale mari et femme de nuit. Mon nom sur Facebook, je suis très nouvelle sur TikTok. Donc, j'essaie de voir comment on commente. C'est The Gift Digger Academy. Partagez ma vidéo. Attendez, on écrit sur TikTok comment. Ah, je vois un truc ici. Interagir. Commenter. Ouais. Attendez, je vous mets ça. Voilà. Voilà le nom sur Facebook et YouTube. The Gift Digger Academy. Je te vois toujours avec les grandes stars. Tu rêves de la récolte. Beaucoup d'entre vous, vous tombez sur ma vidéo. Vous tombez sur moi parce que je vous ai dit que je suis là pour activer. On m'a envoyé pour vous activer. Donc quand vous tombez sur moi, c'est parce que le temps est venu pour vous. Parfois, vous complétez un cycle karmique. Je vais faire plus de vidéos, je vais vous expliquer. Peut-être que ça fait déjà 3 vies, 3 générations qu'on bloque les gens de votre famille. Et quand vous avez commencé à grandir, vous avez tellement voulu, vous avez fait les églises, oh, les jeunes, oh, vous avez même parti chez les musulmans, oh, wow, 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 tout ça. Et vous avez eu un désir tellement fort de sortir de là que vous êtes arrivé à une fin de cycle karmique. Ce qui fait que tous les blocages de vos grands-mères, arrière-grands-mères, mères, tout ça est en train de finir sur toi. Tu es en train de voir comment l'argent vient. Ça commence dans tes rêves. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui me disent « Oh, j'ai vu mon père dans le rêve qui est déjà mort depuis, il est venu avec toi, vous m'avez donné l'argent. » Parce que les ancêtres passent par moi et les enseignements que je vous donne, qui sont là pour confirmer ce qu'ils sont en train de vous donner déjà dans votre subconscient. TikTok, je sais que vous êtes dans un nouveau public, donc je suis encore en train de vous voir. Facebook, on est ensemble depuis 5 ans. Donc, mais vous allez vous habituer à certains termes que j'utilise. Mais je vais vous enseigner à être autonome spirituellement. Vous devez vous sortir vous-même. Donc, tu restes comme ça, tu as 22 ans. Ta mère a 45 ans, elle n'a jamais vu 1 million en une fois. Toi, tu portes 15 millions, tu peux acheter le terrain. Oui, 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 c'est possible. C'est possible. On vous a trop bloqué. On vous a trop bloqué. Voilà. Bon, passez une très bonne soirée, OK? Et vos rêves ne sont pas seulement des rêves. Vos rêves, c'est la continuité. Dans les rêves, ils vous donnent les solutions à certaines choses. Donc, quand tu rêves, ce n'est pas le rêve seulement. Prenez l'habitude de vous réveiller, vous écrivez vos rêves. Ils sont en train de te passer les messages. Parce que dans la journée, si on te dit, tu ne vas pas croire. Si on te dit que tu es là, tu n'as pas 10 000 aujourd'hui, tu n'as pas 3 000 sur toi. On te dit que tu vas avoir 15 millions d'ici 2 mois. Tu vas dire, wow, wow. Il faut qu'il passe dans le rêve pour venir te donner. C'est ça. Maintenant, quand il te donne dans le rêve, tu te réveilles, il y a des choses que tu dois faire. C'est ce que je vous montre. Vous comprenez maintenant? Voilà. Abonnez-vous. Partagez, likez. Je vous en prie, ne soyez pas des sceptiques.
et faites vos travaux spirituels. Lavez-vous ce soir avant de dormir. Ce soir. Ce soir, lavez-vous avant de dormir. Mettez le sel blanc. Voilà. Quand tu as dit qu'il te reste au moins 365 jours sur terre, là, c'est des foutaises. Si on m'a dit qu'il te reste même 10 jours sur terre, tu te réveilles, tu insultes la personne là. Tu te rêves, tu te lèves, tu dis que je vais vivre. Qu'est-ce qui t'a avec ça? J'ai les résultats incroyables avec le sel. Oui, c'est ça. Continuez votre truc avec le sel. Bon, il faut que je trouve comment on arrête TikTok, c'est là. Ah, j'ai trouvé. Super. Bye bye TikTok. Ok. Facebook. Mes anciens, anciens. Lavez-vous ce soir avant de dormir, s'il vous plaît. Vous avez suivi, non? Passez une bonne soirée.